Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma fameuse vidéo shopping à Lille où j'ai craqué dans plusieurs enseignes. Du coup, je voulais vous les montrer et j'ai reçu à mon retour de Lille, du coup, des petits colis. Donc, je vais vous montrer ça aussi à la suite. En premier, j'ai craqué chez Michael Kors. Oui, c'est un peu mon cadeau de Noël en retard, hein, puisque à Noël, j'ai pas trop fêté avec ma famille cette année. Du coup, bah, j'avais pas trop de. C'est pas que j'avais pas trop de cadeaux, mais j'en ai eu un par mon mari, ce qui était un énorme, sublime cadeau, puisque c'était une bague avec des diamants. Mais j'avais envie de me faire un autre petit cadeau qui était sur ma wishlist ou sur mon blog. Si vous ne suivez pas, je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup, bah voilà, j'ai craqué chez Michael Kors. J'adore, j'ai un sac à main de cette marque-là que mon mari m'a offert à mon anniversaire. Et je voulais un petit porte-carte pour aller avec, pour le glisser dans mon sac à main. Et du coup, voilà, je vais pouvoir mettre mes cartes bleues et mes deux droits cartes de fidélité. Que j'adore, on va dire, que j'utilise au quotidien. Il n'est pas extrêmement gros. Ce qui est dommage, en fait, c'est que la petite poche ici, elle se... Je pensais que je pouvais mettre des petites pièces et fermer. Vous savez que ça se clip-clip. Mais non, en fait, non. Donc, c'est vraiment que pour les petites cartes de fidélité. C'est pour ça que ça s'appelle un porte-carte. Donc, voilà, il est en cuir, il est sublime. Il n'était pas très cher, mais pas donné non plus pour un petit porte-carte. Ensuite, je suis allée chez... Mac, puisque j'ai reçu un SMS avec une réduction de moins 20% chez Mac, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller. Je voulais absolument acheter une pompe comme ceci. Alors moi j'avais déjà reçu de la part de Mac ce fond de teint, mais comme j'utilise en ce moment, j'avais pas la pompe en fait, il m'avait envoyé le bouchon tout simple, et du coup c'était pas pratique du tout. Donc j'ai acheté la pompe à 4,50€ qui est ici, hein, j'ai déjà installé sur mon fond de teint que j'aime beaucoup à ma foi. Et j'ai eu donc moins 20% sur cette pompe. Et j'ai acheté un rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres, forcément. C'est le Antique Velvet. Je vous avais montré une photo sur Instagram. Et je ne sais plus si sur Snapchat aussi, je pense. Pour le nouvel an, j'étais exactement comme ça pour le nouvel an, à part ma tenue. Mais j'avais ce rouge à lèvres, un autre make-up un peu plus chargé. Et mes cheveux comme ça. Donc voici le rouge à lèvres. Il est trop trop beau. C'est un marron mat. Dans la gamme mate, hein, voilà. Et un marron, c'est mon premier marron comme ça que j'ai de chez MAC. Je trouve trop beau. Je suis trop trop fan. Donc un très très beau marron. Et d'ailleurs, il existait aussi en kit avec le crayon pour les lèvres si ça vous intéressait. Parce que c'est vrai qu'il est pas facile à mettre. Mais ensuite, j'ai été faire un tout petit tour chez Action. J'aime bien aller quand je vais à Lille parce que bah, je trouve que les Actions là-bas sont beaucoup mieux qu'ici en région parisienne. Et j'ai craqué pour des petites choses. Pour mes envois. J'ai pris des lettres bulles, donc pas un truc de dingue, hein. Des lettres bulles à 99 centimes. J'ai perdu mon ticket de caisse malheureusement, donc je ne pourrais pas toujours dire exactement les prix. J'ai acheté des petits stickers comme ça, vous savez, avec des mots. Je sais que j'en ai eu par Mélanie et tout, mais je me suis dit que ça c'était toujours bien d'en avoir d'autres. Donc je ne sais plus, à 49 centimes je crois la planche, et il y a des deux côtés en fait. Ils sont ma foi très jolis. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, pour le rouge à lèvres, je l'ai eu aussi à moins 20%, donc il m'a coûté à peu près, je crois, 16 euros au lieu de 20. Un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, à Action, j'ai trouvé un petit pyjama pour mon fils. D'ailleurs, je vais le mettre à laver tout de suite. À 3,30€, je crois, un truc comme ça. Moins de 4€. Avec, voilà, c'est un petit pyjama ou une petite tenue, voilà, pour la maison, parce que c'est pas très très chaud. Et voilà, c'est du 74, 80 cm, puisque oui, mon petit crapouillot est grand. Donc, j'ai craqué aussi pour un chargeur, parce que le mien, je ne sais pas ce qu'il a, il a disparu dans ma classe. Un chargeur d'iPhone avec le câble pour mettre surtout dans la prise. Donc voilà, bon, il est déjà sorti, il est déjà utilisé. Donc j'ai pris aussi un chargeur justement pour ma voiture, parce que mon câble a rendu l'âme de chez Action. Il dure pas longtemps malheureusement, mais bon, c'est vrai qu'ils sont pas chers, autour d'1,70€, un truc comme ça. Donc j'en ai repris un pour la voiture avec ça, parce que j'en ai un, mais c'est un multi-câble. Je vais le mettre dans la voiture de mon mari, et celui-ci je vais le garder pour ma voiture, il est plus pratique. Donc j'ai fait la recharge en câble. J'ai pris ça en pensant que c'était le... Vous savez, je vous en avais parlé dans mes produits terminés, j'avais beaucoup aimé la lotion pour les mains comme ça. Enfin pas la lotion, enfin le gel lavant pour les mains de cette gamme-là à l'olive et à l'aloe vera, à l'huile d'olive et à l'aloe vera. Et du coup je pensais que c'était ça que j'avais pris, mais non, c'est une crème pour les mains. Donc je pense qu'elle servira à mon mari, parce qu'à ma foi elle sent bon aussi, c'est une odeur douce et mixte, donc je pense que ça lui plaira, donc on verra. J'ai repris ça. Bon, je sais, c'est pas bon, mais on verra, hein. Je sais que là j'avais décidé d'être en rééquilibrage alimentaire, je vous ai fait un article sur ma sleeve d'ailleurs, et vous avez été nombreux à réagir, je vous remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, et puis là c'était avant de faire mon article.
Et pour finir, j'ai pas traqué pour beaucoup de choses chez Action, hein. J'ai vraiment été raisonnable, j'ai acheté des pansements pour ma fille à 49 centimes, des sacs à couches à 1,20€ ou 1,30€, et j'ai craqué pour le fameux produit pour les boucles. Alors il faut savoir, hein, dans mon vlog, vous avez été nombreuses à me dire aussi sur les réseaux sociaux que j'espère que j'avais pas fait ça définitivement. Non, ce n'est pas un message brésilien, dès que je vais me laver les cheveux, ça va repartir, mes boucles vont être de nouveau là. Et du coup, bah, j'ai acheté ça, je sais pas s'ils sont bien, j'en ai pris deux parce que j'en trouve pas en région parisienne. C'est les fameuses crèmes disciplinantes pour les boucles vigoureuses, naturelles et sans frisottis. Moi j'aime beaucoup ce genre de produit sans rinçage que vous mettez sur les boucles, mais voilà, je ne sais pas si celui-là il vaut le coup chez Action. Si c'est le cas, je crois qu'il coûtait 1,99€, donc si il est bien, ça vaut le coup et j'irai en racheter. J'ai fait une commande sur mon site favori, là, pas du tout en partenariat, hein. Maintenant je suis une fidèle cliente. Et ma luminosité est chelou des fois. Et voilà, j'ai fait des commandes, alors beaucoup de ma famille, et c'est des grandes photos. Je les aime beaucoup ces photos-là, c'est les fameuses photos Régular XL, voilà, j'aime beaucoup. Je vous mets mon code promo en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous montre pas toutes les photos parce qu'il y a mes enfants sur les autres et voilà ma famille, mais voilà, c'était juste pour vous montrer celle-ci, je la trouve trop belle. Oui, la fille elle a fait une grande photo d'elle, mais ma foi je la trouve vraiment très jolie et je trouve que les rouges à lèvres foncés me vont très bien. La fille qui se fait des compliments, bah 2018 où je fais des compliments, je suis comme ça, hein. Ensuite, je remercie du fond du cœur parce que dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu des petites cartes de vœux. Donc, ça m'a fait super plaisir. J'en ai reçu 3 et donc c'est super cool. Une petite carte de vœux de ma copinote Mylène. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un petit colis très prochainement. Donc, j'ai reçu aussi une carte de ma copinote Marie qui commente toutes mes vidéos qu'elle a fait elle-même. Donc, ça me touche vraiment du fond du cœur d'avoir des petites cartes de vœux. Hein. Toujours. Et une petite carte, ça je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux de Rachel, si je ne me trompe pas, voilà. De Rachel, qui est une jolie carte aussi, que j'aime beaucoup. Donc merci d'avoir pensé à moi les filles, ça me touche. J'aime bien recevoir des petites choses comme ça dans ma boîte aux lettres et je vais vous répondre très prochainement. Ensuite, j'ai reçu des produits de la part d'Octoly et j'ai reçu une routine de chez Bioderma. Vous savez, je vous en parle 10 milliards de fois que j'aime beaucoup cette routine-là. J'aime beaucoup la verte en fait au niveau de l'eau micellaire, c'est la H2O Sébium qui est pour les peaux grasses. Là, j'ai pris pour les peaux sensibles et déshydratées parce qu'il s'avère qu'à certains endroits, c'est-à-dire ici, et un petit peu sur le nez, j'ai des petites zones déshydratées, donc je m'étais dit que peut-être j'allais cibler sur ces zones-là, mais pas faire tout mon visage avec cette gamme-là, mais juste cibler. Donc vous avez l'eau micellaire, le sérum Hydra Bio et le gel crème Hydra Bio. Donc ça va être parfait. Et si j'utilise pas maintenant, j'utiliserai cet été parce que c'est vrai que l'été j'ai beaucoup, j'ai la peau vraiment très déshydratée avec le soleil. Pour continuer dans l'hydratation. Au niveau lèvres, je vais pouvoir découvrir le produit de chez Clarins, qui est le baume lèvres réparateur à la cire essentielle de rose. Ah, j'avais pas vu que c'était à la rose. J'espère que ça sent pas trop la rose. C'est un petit baume comme ça, j'en avais un dans le même style de chez Biotherm que j'avais adoré. Donc j'avais envie de tester celui de chez Clarins. J'aime beaucoup les baumes à lèvres comme ça, qui ont un espèce d'embout un peu... comme ça pour le quotidien, en fait, pour hydrater mes lèvres au quotidien, que ce soit la nuit, mais là en ce moment j'ai un super baume à lèvres qui vient de Corse pour la nuit, donc celui-ci je garderai pour la journée sûrement pour l'école, pour la reprise, et ça c'est toujours utile, donc je vous en reparlerai dans des vidéos quand j'aurai vraiment testé en profondeur. Ah, j'ai reçu une lettre aussi, une autre lettre, je vous ai pas montré, de la Skinny Boutique, je sais pas si vous connaissez, c'est la petite boutique, voilà. La Shiny, le Skinny, n'importe quoi moi. La Shiny Boutique, c'est une boutique où j'avais commandé des box planners. Et du coup, là, j'ai pas recommandé de box planners, j'ai essayé de résister un petit peu parce que j'avais pas trop les finances pour ça. Et du coup, elle nous a envoyé un petit cadeau, je pense, pour la nouvelle année. Donc, merci pour votre commande. J'ai pas commandé, mais ça doit être un petit cadeau, donc c'est super cool. Et ça doit être ces nouveaux stickers, donc c'est trop sympa de la part, je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos, mais c'est trop sympa de la part de Sabrina qui gère cette boutique à merveille. Donc là il y a plein de petits stickers ce rose, oh ils sont trop beaux, tout à fait girly, hein. Donc ça va être très bien pour mon planeur, ils sont trop beaux. Donc je pense que tous ces nouveaux stickers vous allez pouvoir les trouver sur sa boutique en ligne en ce moment. Oh, j'adore celui-ci là, j'adore, et je crois bien qu'il y en a aussi avec du gold foil, rose gold. Donc cela pour écrire des sortes de to-do list. Et regardez celui-ci avec du gold. Il est trop beau, il y a des il y a les numéros du mois 31, il y a écrit week-end. Oh trop bien. Trop joli. Merci à Sabrina
pour ce petit cadeau qui me fait trop trop plaisir. Encore dans ma boîte à lettres, j'ai reçu un petit colis de la part de Kiss Impress. Vous savez, c'est les fameux... je vous en avais parlé dans mon autre vidéo, vlog à Lille. Oula, ça a du mal à venir. Du coup, j'avais mis sur mes ongles des faux ongles Kiss Impress qui étaient vraiment trop trop beaux en bordeaux velours. Ils se sont enlevés au bout d'une semelle tout pile. Là, j'ai fait une autre manicure avec un Dior. Mais voilà, ça n'abîme pas du tout mes ongles. À chaque fois, moi, que je les enlève, regardez, mes ongles sont nickel. Hein. Je peux faire une manicure sans problème après. Mes ongles sont pas abîmés, ça m'a pas arraché la moitié de l'ongle. Ouais, pas de problème hein, à ce niveau-là. Donc, j'en ai reçu de nouveau qui sont de la collection de Noël. Si je les avais reçus avant, je les aurais mis pour les fêtes, mais bon, c'est pas grave. Je les mettrai pour une autre occasion. Ceux-là sont très très beaux, un peu blanc givré comme ça. Trop trop beaux. Et il y a le One Shine Day et le Night Fever. Et celui-ci, le Night Fever, qui est le bordeaux. Enfin, le violet plutôt. J'ai reçu le calendrier 2018 de la marque, avec tout plein de manicures, plein d'exemples de manicures à l'intérieur. Ils sont trop trop jolis. Et avec, on a reçu aussi un petit mot doux et des fossiles. Et c'est les quoi? C'est les Blooming Lash. Je tenterai peut-être pendant une vidéo. J'en ai déjà mis dans une de mes vidéos, hein, mais c'est vrai que je ne mets pas beaucoup beaucoup de fossiles. Donc merci à Emmanuel du Instagram melting.com. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez aller découvrir. Ensuite un petit colis de bonne année aussi de la part de Mercy Andy. Donc j'ai reçu les 8 gels antibactériens, les fameux 8 gels antibactériens de la marque. Hein. Donc il y en a vraiment plein, vous avez toutes les odeurs, d'ailleurs il y en a certains qui vont être pour vous sur Instagram à gagner. Hein. À chaque fois que je commande des petites choses de Mercy Andy, je pense à vous et je vous en garde pour faire des concours, vous inquiétez pas. Vous avez vraiment toutes les odeurs, le Cherry Cherry, le Flower Power, le Black Vanilla, le Citron Almond Lemon, vous avez le Hello Sunshine, le Lollipops qui a une odeur sucrée. Et mon chouchou, mes deux chouchous restent le New Wave, parce que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et le Cocorico que j'ai en double et j'en suis ravie, je l'aime beaucoup beaucoup. Il est d'ailleurs, l'autre il est dans mon sac à main. Donc celui-ci je l'aime d'amour aussi, qui a une odeur un peu de coco. Le top. Et à l'intérieur j'ai eu un autre petit colis. Dans le colis il y avait un colis. Hein. Hop. Et c'est, regardez-moi comme c'est bien fait. Donc résolution 2018, un petit souriez, la vie est belle, un petit carnet comme ça. Et il y a un detox challenge avec, vous savez, les jours pour faire attention. C'est trop trop bien, je trouve. Ils ont fait ça super bien. Et comme d'habitude, ils nous mettent des petits mots doux. Et c'est sur la fameuse routine pour les dents, pour avoir les dents blanches. Donc j'avais décidé de me lancer avec la routine, vous savez, comme ça, pour faire, je crois, 14 jours, si je me trompe. Voilà, 14 jours, un beau sourire en 14 jours, naturellement. Ce sont des petites... des petits tubes comme ça, des petits tubes où vous avez dedans, je crois, de l'huile de coco et du charbon avec un arôme réglisse, menthe et very cool, c'est quoi déjà, mûr, je crois, un truc comme ça, au cassis. Et du coup, vous faites ça le soir. En fait, j'en avais testé quelques-uns que ma copine Muriel m'avait donné. J'avais adoré, moi. J'avais adoré, je trouvais que c'était hyper efficace, mais j'en avais testé 8 à peu près, parce que j'en avais 8. Et du coup, vous faites comme ça dans la bouche. Le soir, après, vous êtes lavé les dents, vous gardez ça pendant 10-15 minutes, je crois. Et puis, voilà, vous faites ça tous les jours pendant 14 jours, une petite routine, et logiquement, ça vous blanchit les dents. Moi, j'avais fait pendant 8 jours, parce que j'avais que ça à l'époque, et ça avait plutôt bien marché. Donc là, je vais le retester en 2018, avec la routine des 14. Et le dernier colis que j'ai reçu de ma boîte aux lettres, c'est un colis que j'ai commandé. Et c'est un colis qui vient du site Dans mes pochettes, et c'est un planner. Donc je l'ouvre et je reviens. Donc je l'avais commandé via Mondial Relais. On voit qu'il a été un peu destroy par Mondial Relais, mais c'était hyper bien protégé. Donc trop trop bien. Avec comme toujours un petit mot doux de la part de Perrine qui gère le site Dans mes pochettes. Et ma foi, c'est super grand. Donc c'est un kit spécial planeur pour débuter les planeurs. Alors moi j'ai déjà tout ce qu'il faut pour mon planeur, mais là je trouvais que c'était vraiment sympa. C'est un memory planner de la marque Mambi. Toujours quand vous commandez Dans mes pochettes, vous avez un sublime emballage comme ça en papier de soie avec une petite carte, un petit mot doux, salut Karine, passe de bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'elle me l'a envoyé je pense avant la nouvelle année, et toujours un petit cadeau avec des petites cartes de la marque de Perrine. Donc c'est la marque Poussine Potty, je crois, Poussine Potty Scrap. Donc des petites cartes de Project Life, et on va ouvrir mon kit. Donc voici le kit, il est trop beau. Donc c'est un memory planner, si je ne me trompe pas, c'est les grands planeurs. Moi j'avais un happy planner d'un format
A4 je crois, mais là ils sont beaucoup plus grands, c'est pour mettre tes photos en fait au fur et à mesure, vous pouvez mettre votre organisation pour la vie quotidienne mais en même temps des photos de ce qui s'est passé. Je vous montre un peu un exemple que vous avez ici. Donc les memory patterns, les kits comme ça sont arrivés sur la boutique dans mes pochettes, vous en avez plusieurs styles, vous pouvez les acheter tout seul hein, sans le kit entier, ou vous pouvez l'acheter en kit comme ça avec le memory planner, des planches de stickers, vous avez trois planches de stickers et deux washi tape, regardez là, deux washi tape et des planches de stickers. Donc je me suis dit pour 41,95€, je me suis dit pourquoi pas prendre avec les stickers parce que le memory planner tout seul coûtait 36€. Donc ma foi c'est un budget, hein, faut pas penser, mais ça vous dure, hein, je crois qu'il dure 12 mois. Si je ne me trompe pas, ouais, 12 mois et c'est sans date. Ça veut dire que si vous voulez faire une semaine, le remplir et puis la semaine d'après vous avez rien de spécial, vous avez rien fait de spécial, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Donc c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez à l'intérieur. Donc j'ai hâte de le découvrir en profondeur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur ça, sur comment je vais l'investir, sur vraiment ce memory planner. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et comme d'habitude à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'espère ne pas avoir oublié de choses. En tout cas, je vous fais de milliards de bisous, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à vous abonner ici, je crois que c'est ici de ce côté-là, si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très très vite dans un prochain haul, une prochaine vidéo, un prochain unboxing. Voilà, salut salut.